Maxime, c'est JFL Cuisine Créole, j'ai fait dans lundi votre chef à la maison qui rentre dans la canot. Je dis nous un grand merci parce que nous suivi moi, parce que nous faisons confiance. Je dis nous non, je vais préparer une piqulise actualisée pour nous. Okay? Piqulise actualisée, pour qu'il soit actualisé parce que nous allons le faire d'une façon que nous pas qu'on habitue ouais. Okay? Ça, c'est moi qui vais venir avec encore. Je vais faire une piqulise pour nous là avec une vinaigrette de grenadière. Okay? On a pour nous commencé à faire un petit bail déjà, qu'on aimerait montrer nous reste base. Ok, lorsqu'on fait un pickle, ça qui est important pour lui vraiment excellent, ça pour nous baser, nous de mettre l'accent sur choua et carotte là pour y couper très fin parce que c'est très très important. Si vous pas fin, vous mettez fait sur fait, il n'est pas bon parce que vinaigrette pour le faire pour mettre là-dedans, là, pas vraiment cuit légumes. Si les légumes sont trop gros, ils sont pas bien cuits. Nous-mêmes, c'est la sorte de cuisson nous connaissons dans le thème cuisine créole. C'est mettre au feu. Mais non, tout ça qui est mettez rassis avec un alcool ou bien un vinaigre, c'est une sorte de cuisson liée aussi. Okay? Tout simplement, c'est une cuisson de détérioration. Ça veut dire détériorer aliments à l'aide de vinaigre. Okay? Ça veut dire plus les légumes gros, plus la misère pour les cuites avec vinaigre métier. Donc, moi faire très très fin, qu'on a le montrer nous comment pour nous faire. Okay? Moi-même, ça me fait préparer ça là, c'est un petit poireau. Moi bien arrangé, moi coupé en longueur et puis moi faire, moi coincé même très très fin. Plus ou coincé même, plus la sortie fin. Ok? Est-ce que nous recommencer fin? Et voilà. Ça, là, le pape prend pile misère pour le détériorer avec vinaigre. Là. Ok? Quand on a là, je prends choua. Je prends un petit chou, je vais quitter pour nous. Ouais, choua, gros boss ça. Ça nous a les gros dos ça. Nous supposons couper le tout le temps. Ok? Gros épais ça. Nous supposons couper parce que lui-même, il a bien la misère pour qu'il cuite avec vinaigre. Là. Je tiens. Quand on a là, je fais un petit morceau. On a fait la même chose encore. Moi, je dis la même chose encore. Plus que vous coincez les mains, plus la sortie fait. Ok? Regarde. Et voilà, regarde. Ça sortit bien mince. Moi, je te montre nous qui ça veut dire économe déjà. Moi, je prends l'économe là. Moi, je fais ça avec. Moi, je fais un petit morceau. Dès que je fais un petit morceau, on a l'arranger. L'équipe finale fait la même chose. Et voilà. Ok. On a là, on va le faire. Si vinaigrette de grenadière. Ok. Moi, je prends tout jus grenadière. Mais jus grenadière, c'est avec qu'on a moi le faire vinaigrette. Ok. Là, moi, commence vinaigrette là. Pour me faire vinaigrette là, je mets 2 cuillères de sucre là-dedans, dans grenadière. Vous mettez 2 cuillères de vinaigre blanc, et un peu de sel, vous mettez poivre, et moi vous sel. Vous allez faire celle-là avec sucre à fond. Ok. Dès que vous réalisez celle-là avec sucre à fond, vous mettez un quart de tasse de l'huile. Tout usage. Nous, on a ça ici de l'huile canola. Je continue à brasser. Là, on a mis le vinaigrette là-même. Ok? On a mis le mélange. Avant de mélanger, on a mis le dire un bagage. Nous-mêmes, haïtiens, nous bien remettre le piment. Ok? Il n'y a pas de problème avec le piment. Quand on a mis ça, je prends le piment. Je prends seulement le vert piment. Sans graines. Pour moi mettre là-dedans. Dans la bras les mains c'est tout la même façon. Et voilà. Puisque le bagage grenade n'est pas piqué, moi mettez là-dedans. Pas oublier, moi quitter grenade là après ça moi le vin sous les avenues. Moi pas t'as fait actualiser maintenant avec poivron. Parce que poivron il a tendance à déteindre dans le choix. La vie me fait tout rouge. Moi, j'aime pas ça.
Mais moi tiens à montrer nous quelque chose parce que en pile parfois manger piklis kaimoun piklis alogado ou poivron il pas compatible avec chou. Il y a un pile monde qui bien qu'on fait chou bien mince, mais quand c'est poivron il pas mince. Mais raison moi dire non parce que nous pas connaît m'a montrer nous. OK, lorsqu'on prend poivron ou fin couper pour faire un petit détail là-dedans, on fait ça. Ou doit supposer lever chair à Randall. Si vous même son petit couteau à la maison gagné, ou à gérer ça. Mais moi-même, c'est couteau du chef, regarde. Ou enlever gros chair blanche qui l'a mis en là. Ou mettez la terre et vous glissez couteau à soleil. Et voilà. Qu'on est avec ça, qu'on est capable de faire un bon petit julienne bien bien mince. Qu'on a limite fait ces minces, même genre avec. Mais salade de choua qu'on a là, on met le vinaigrette là-dedans. Et voilà. On y a là, on met une cuillère à base de poulet. Et puis on met persil haché. Et blanc, nous-mêmes, nous avons un persil qui est déjà haché dans la boîte. Qu'on a là, on met là-dedans. Et voilà, qu'on a moins brassé. Ok. On te dit, nous, tout à l'heure, on met un quart de tasse de l'huile canola. Je dis l'huile tout usage. Ça me prend le temps pour me dire. Qu'on y a là, on met l'autre demi-tasse, l'huile d'olive. C'est bien important de ne pas brasser l'huile d'olive là avec l'autre huile là. Parce que je n'ai pas besoin de rentrer là-dedans. Je vais goûter l'olive, je vais là-dedans normal. Et puis je vais prendre l'air. Et voilà. Waouh. Là, je vais faire légumes là, prendre sel là pour contenir. Qu'on a, moi, ajuster là avec sel. Wow! Ça, c'est du bon piclis. Et puis, avec grenadilla, il prend pour ton petit goût sirupeux qui est au pâté, ok? Ça, là, c'est un piclis pour nous faire inviter nous craquer en fin d'année, ça, 24 décembre. Piclis après, c'est fini. Qu'on a là, JFL pour le montrer nos bagages qui lui paraît. Ça, c'est piclis côté que monde qui ne peut pas manger avec piment. Pour m'identifier, je prends n'importe quoi. Mais moi-même, je prends un petit persil là. Je mets un petit persil sous lui comme ça. Et voilà. Waouh. Et je retourne maintenant avec piment. Nous songeons, je me prends pour piment. Qu'on a besoin de piment, besoin de piquer, qu'on a la prendre graine ça. Et puis je me dépose dans ça. Même pas mettre tout, non. Parce que moi-même, je ne vais pas manger piment. Si je vais manger piment tout. Qu'on a pris tout grenant et puis qu'on a brassé ça. On a fini brasser ça ainsi. Qu'on a allé même décorer l'autre façon pour que moun yo même, yo ka konne, mais ou même tout konne, nan tête ou pas le getan konne, ça te gen tel persil sou li, c'est lui même qui pas piqué, ça kap gen tomate sou li, c'est lui même qui piqué, mais piklis a gen même goût, même excellence nan. La seule chose, tout le monde va le manger, même piklis a. Qu'on a m'a le présenter pour nous. Ok. Mais à cette là, petite présentation pour nous là, c'est tout. Mais je vous le dis là, c'est très, 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 très bon. Demandez tout haïtien qui a suivi moi là, qui commence à habituer à suivre JFL Cuisine Créole, Jean-Fédon dit, votre chef à la maison, à partir d'aujourd'hui, moi t'a remis, chaque lundi au monde vient nous faire la caille, nous bien venir manger la caille, nous, moi demandez nous pour nous gagner des piquets sur table là. Une piquée. Yon pa piki, parce que yon belle salade, yon bonne salade comme ça, c'est pas normal pour yon série de moun ka manger, yon l'autre portion pa ka manger. Ok? C'était yon piklis mwen fait pour nous, actualiser avec.